Bien donc, on a Anne-Sara Moalik qui est avec nous, donc en direct de Caen. Donc Anne-Sara Moalik Bouglet est historienne à l'université de Caen et elle va nous présenter sa communication. Le vote a-t-il un sexe, décidément ? Droit de vote et différence de genre de 1870 à aujourd'hui. À vous la parole. Je vous remercie et surtout... Je vous remercie d'accepter une communication dans ces conditions un peu particulières. Je remercie les organisateurs. Je suis navrée. Il était impossible pour moi de me déplacer à cette époque. Le vote a-t-il un sexe ? C'est une grande question. Dans notre société actuelle, les stéréotypes de genre continuent de jouer un rôle important dans nos attitudes et dans la plupart de nos actes. Ce constat est aussi valable, évidemment, dans le domaine de la citoyenneté. Alors que depuis plusieurs années, les votes masculins et féminins se sont harmonisés, les lois sur la parité rendent visible la disparité profonde entre les hommes et les femmes en ce qui concerne notamment l'éligibilité. En parallèle, les discours continuent à attribuer aux candidats et aux citoyennes des qualités et des valeurs différentes de celles des citoyens et des hommes. Sous-jacente à ces discours, on trouve l'idée que les éléments nouveaux apportés par les femmes permettraient de renouveler l'action publique. Cette situation n'est pas récente et on peut le voir à travers l'analyse du droit de vote des femmes et de son histoire. Face à un domaine considéré comme masculin par essence, qui est la politique, les féministes vont affirmer leurs différences. Et si les suffragistes du début du siècle se conforment aux normes de genre, elles le transgressent en même temps en prenant position dans l'espace public. Et c'est sur la base de ce paradoxe pourtant qu'on va arriver au droit de vote en 1944. Mais après cette date, les observateurs ont continué à chercher une différence entre les votes masculins et féminins. Si cette différence existe, à la marge, dans les années qui suivent vraiment 1944, elle va disparaître ensuite. Mais les politologues, les journalistes continuent de souligner des différences, inconsciemment ou non. On peut donc s'interroger sur le poids de ces discours sur la représentation politique. Permettent-ils de dénoncer les inégalités persistantes entre les hommes et les femmes dans la sphère politique ? Ou bien, au contraire, favorisent-ils le maintien d'une sphère politique masculine ? Pour revenir un petit peu en arrière sur l'histoire du vote des femmes et donc l'histoire de cette différence, on voit que dans une première période, entre 1870 et 1900, le suffragisme est vraiment une subversion et c'est un féminisme en rupture. Le Second Empire et le début de la Troisième République sont marqués par une volonté d'ordre moral et social très fort. Et elle passe cette différence, notamment cette volonté passe notamment par une distinction claire entre une sphère masculine et une sphère féminine. Et c'est pour ça qu'on va accuser les suffragistes des premières années de subvertir la société. Notamment, on va reprocher ça à Hubertine Auclert, qui est la figure de proue du mouvement suffragiste. En effet, il y a une sphère des femmes qui est très marquée. Dès le plus jeune âge, on assigne la fille à son rôle de femme. On lui inculque certaines vertus, obéissance, docilité, douceur, pudeur, bonté, etc., qui sont plus tard érigés en preuve de sa nature féminine. Les défauts, en revanche, comme l'amour-propre, l'orgueil, etc., sont des déviances qu'on essaie de corriger à travers l'éducation. Et tout ce qui touche aux politiques est considéré comme une violente intrusion du dehors, qui doit être évitée à tout prix, car elle déséquilibre en fait les attributions de chaque sexe. Le vote des femmes est donc considéré comme un danger pour une féminité vraie, car il sort les femmes de leur sphère et il serait donc préjudiciable à l'ensemble de la société. Néanmoins, ce n'est pas le seul problème. Un autre problème vient du fait que la politique apparaît comme une notion éminemment masculine, parce qu'elle implique plusieurs concepts, justice, fermeté, raisonnement, qui sont, quant à elles, par rapport aux vertus féminines, considérées comme des valeurs viriles. Ainsi, si les femmes venaient à voter ou à être éligibles, beaucoup d'auteurs pensent qu'elles se viriliseraient, qu'elles abandonneraient leurs qualités féminines
et qu'elle se transformerait peu à peu en homme, ce qui est très préjudiciable pour la société. Dans son grand ouvrage de référence, qui s'appelle « Le féminisme français », un professeur de droit des années 1900, Turgeon, parle de cette femme, alors je cite, « cette femme changée en homme par la politique, par l'instruction, par la liberté, qui est une métamorphose qu'il ne faut pas vouloir, sans doute parce qu'elle serait monstrueuse. » Donc je ferme les guillemets. Les velléités politiques de quelques femmes de cette époque apparaissent donc, comme on voit notamment dans cette citation, mais dans d'autres aussi, comme une menace sociale majeure. Et le suffragisme est donc une subversion aux multiples facettes. D'abord, dans un premier niveau, l'idée même de droit politique féminin, comme on vient de le voir, est une subversion, puisque cela implique que les femmes voudraient prendre la place des hommes, et qu'elles perdraient évidemment leur féminité. Le deuxième niveau de subversion vient du fait que vient des stratégies en fait mises en œuvre par les féministes, par les premières suffragistes, pour réclamer leurs droits. Et c'est notamment la place qu'elles vont prendre dans l'espace public, par la parole et par des actions, dans le but en plus de revendiquer un droit qui est personnel. Les manifestations sont nombreuses, notamment celles dans un premier temps qui vont être menées par Eugénie Auclair, qui prend par exemple à plusieurs reprises la parole au Congrès ouvrier socialiste de Marseille en 1879, mais elle va aussi lancer d'autres actions, comme le refus de payer ses impôts, tant qu'elle n'aura pas le droit de s'inscrire sur les listes électorales. D'autres suffragistes vont s'engager dans des actions publiques, très décriées, les élections masculines. Dans les années 1880 et 90, plusieurs d'entre elles vont se lancer comme candidates dans le combat électoral pour faire connaître leur action et leurs revendications. Et ainsi, elles brisent complètement les règles de la bienséance féminine. La subversion dans l'action laisse ainsi penser que ces femmes refusent leurs conditions de femmes et luttent contre leur féminité plutôt que pour leurs droits. Et l'analyse de la réception de ces multiples éléments dans la presse ou les ouvrages des publicistes sur ces dernières années du XIXe siècle montre que le suffragisme est bien perçu comme un facteur de désordre social et que les femmes luttant en sa faveur vont à l'encontre de leur propre genre. En rupture avec la société, ce premier suffragisme réclamant l'égalité politique à partir du concept d'universalité des droits avait une portée très réduite. Ces femmes-là étaient donc très marginalisées. Son propos et les manifestations donc le rendaient quasiment impossible. Mais à partir de 1900, un nouveau courant féministe favorable au vote va émerger et va parvenir à se faire entendre. Et pourquoi est-ce que ce second courant va se faire entendre? Parce qu'il va lier féminisme et féminité, donc en se conformant aux normes de genre, en acceptant donc le féminin. Ce courant, donc ça, il va se développer entre 1900 et 1944. Dès 1900, s'installe vraiment un féminisme de consensus. À la fin du 19e siècle, en parallèle d'un féminisme radical dont on vient de parler, va se propager un féminisme plus discret dans les milieux de la haute bourgeoisie catholique et protestante. Les apparitions des unes et des autres tendent bientôt vers certains buts communs, et notamment le droit de vote. Leur différence est donc avant tout une question de stratégie, d'image et de caractère. En adhérant davantage à un modèle féminin traditionnel, habituel, en ne brisant pas les codes, mais en s'appuyant sur eux pour créer leur argumentation, les modérés parviennent à faire entendre un discours nouveau sur le féminisme et progressivement sur le suffragisme. Parmi ces féminismes naissants de mouvements confessionnels, on peut notamment citer le féminisme chrétien de Marie Maugeret pour les catholiques et le Conseil national des femmes françaises, le CNFF, créé en 1901, notamment par des femmes protestantes. Et cette fédération-là, qui au départ réunit une trentaine d'associations féminines et féministes, est dès le début forte de 28 000 membres, ce qui est considérable à l'époque, et elle va se rallier au vote des femmes dès 1906. Cette évolution progressive des esprits se révèle pleinement lors de congrès féministes et féminins en 1900. Les modérés vont tenir un premier congrès en juin,
qui va surtout se préoccuper de réformes sociales pour améliorer le sort des femmes et obtenir des droits civils pour elles, puisque c'est un autre problème important à l'époque. Et le droit de vote, même s'il n'est pas prévu au programme, est évoqué dans des termes encourageants. Mais c'est surtout au Congrès des radicales, qui se sont adoucis depuis la fin du 19e siècle, enfin depuis les années 1870. Le Congrès des radicales, donc, c'est là que le ton va être nettement suffragiste. Mais sous les grands principes, la modération va être de mise et l'image publique du féminisme va être renouvelée. Et là, il y a une anecdote très intéressante et très significative qui va le prouver. C'est lors de la séance d'ouverture, Maria Pognon, qui est l'une des dirigeantes de ces mouvements, fait une déclaration fracassante, je la cite. Un journal du matin a publié cette semaine un article critiquant beaucoup notre congrès. L'auteur de cet article nous conseillait de faire un grand concours pour montrer nos talents culinaires. On jugerait nos confitures, par exemple. Eh bien, il n'y aurait à cela qu'un malheur. Si nous faisions un concours semblable, le jury serait bien embarrassé, nous mériterions toutes premier prix. Ce propos, qui est à la fois anodin et puis amusant, est fondamental. En effet, Jules Bois, qui est un auteur assez connu à cette époque et qui suit le congrès pour le journal Le Figaro, en mesure toute l'importance. Je cite à nouveau. Les rédacteurs ont été rassurés sur leur inquiétude domestique. Madame Pognon a fait mieux que de se montrer oratrice et présidente irréprochable. Elle nous a déclaré en pleine séance qu'elle faisait ses confitures elle-même. Et j'ai compris aux applaudissements unanimes qui ont accueilli ses paroles que sa doctrine par cette concession venait de faire un grand pas. En effet, la féministe ici va affirmer sa féminité, son acceptation de son rôle de mère, de femme au foyer, et la référence à la confiture en plus véhicule de nombreuses valeurs liées à la famille et donne l'image d'un foyer accueillant et bien géré. Ce propos va donc réconcilier féminisme et féminité en engageant le mouvement suffragiste sur une nouvelle voie. Et pour finir sur les confitures, dans les années 30, Louise Weiss, qui va mener un autre... qui va aussi mener un combat suffragiste, va également organiser un concours de confiture et de cuisine pour montrer que même des femmes qui veulent voter n'abandonneront pas leur foyer et continueront de faire la cuisine. Si certaines féministes sont de plus en plus féminines dans leur apparence, ce qui n'échappe pas aux commentateurs qui leur reprochaient avant d'avoir l'aspect de harpie, en quelque sorte, l'acceptation de la féminité par les suffragistes tient surtout à leur stratégie d'action, que ce soit dans leur discours ou dans leur engagement sur le terrain social et moral. S'inspirant de leur attribution traditionnelle axée sur la famille, la vertu, la bienfaisance, elles vont transformer tous ces éléments en arguments pour le droit de vote. Elles font alors basculer le point central de leur argumentation en transformant un droit en devoir, et ça c'est fondamental. Les suffragistes mettent en avant les qualités de la femme normale, qui ferait une bonne électrice, car elle se soucie du bien commun, veille à sa famille, qui est la pierre angulaire de la société. Elle est morale, raisonnable, sans vice, et en plus, a l'expérience des actions concrètes grâce à son rôle dans le foyer. Selon les suffragistes, son rôle serait donc meilleur, plus vertueux pour la société que celui de l'illettré, de l'alcoolique. En outre, la participation politique des femmes est censée assainir les mœurs politiques en les rendant moins violentes et grossières. On trouve encore cet argument-là aujourd'hui, j'y reviendrai tout à l'heure. Un autre argument dans cette même lignée est que la femme pourrait lutter contre les fléaux sociaux, ce qu'on appelle à l'époque les fléaux sociaux. Dans la première décennie du XXe siècle, Hubertine Auclair, encore elle, présente la femme comme un agent de rénovation sociale pour la France, une France en déshérence, menacée par ses fléaux sanitaires et économiques, tels que la dépopulation ou l'alcoolisme. Un discours messianique où le droit de vote des femmes serait la solution aux problèmes créés par les hommes et non résolus par eux. Donc, en fait, les femmes apporteraient la solution aux problèmes grâce à leur droit de vote. La liste des réformes proposées par les suffragistes si elles obtenaient le vote est assez longue. On va y trouver notamment la lutte contre l'alcoolisme, la lutte contre la prostitution, contre la criminalité juvénile, contre la pornographie,
Et d'un autre côté, des réformes en faveur de l'hygiène, de la santé publique, de l'amélioration des logements ouvriers, etc. Les féministes insistent sur l'idée que le vote leur permettrait de défendre, en tant que femmes et que mères, les intérêts de leur foyer et en luttant contre les fléaux sociaux, de défendre donc les intérêts de la société tout entière. Dans cette rhétorique, le vote, encore une fois, n'est plus un droit, mais un devoir, une responsabilité, une charge que les femmes doivent accepter. Donc, sur ce genre d'argument, les associations suffragistes vont aller jusqu'en 1944. Et en 1944, grande nouveauté, les femmes vont obtenir le droit de vote. Mais après 1944, si on a vu que jusqu'à présent, en quelque sorte, le vote est véritablement un genre, qu'en est-il après 1944? Quelle égalité découle du droit de vote? En 1944, donc, un double processus va donner aux femmes la citoyenneté. L'ordonnance générale de Gaulle du 21 avril, qui est très connue, sur l'organisation de la France à la libération, va décréter cette égalité entre les hommes et les femmes. Et, en fait, cette ordonnance confirme le vote de l'Assemblée consultative provisoire d'Alger, qui avait eu lieu le 24 mars. Les Françaises peuvent donc aller voter dans les mêmes conditions que les hommes et être éligibles de la même manière. Pour autant, l'égalité ne se décrète pas. Les pratiques et les représentations politiques restent très genrées jusqu'à notre propre époque. Il y a d'abord beaucoup de fantasmes autour du vote féminin et qui vont être remis en cause. Durant tout le débat sur le vote des femmes, des opposants, c'est-à-dire tout le 19e siècle, le début du 20e siècle, la première moitié du 20e siècle, des opposants mettent en avant des scénarios variés, toujours négatifs, sur ce que les femmes feraient de leur bulletin de vote. Leur but est de montrer que soit les femmes ne voteraient pas, ou bien elles voteraient mal, c'est-à-dire qu'elles voteraient aux extrêmes. Par exemple, l'un des arguments majeurs des antisuffragistes est l'indifférence des femmes à la politique. Face à tous ces préjugés, quelques politologues lancent après 1944 des études pour établir des données statistiques, donc scientifiques, sur le vote féminin. Et les résultats qu'ils proposent coupent court aux différentes chimères qui entouraient la réforme. Matteï Dogan et Jacques Narbonne présentent leurs résultats en 1955. Ils indiquent que si les femmes s'abstiennent légèrement plus que les hommes, elles ont en grande majorité participé à tous les scrutins qui leur étaient proposés. Ils expliquent que les femmes ne votent pas pour les extrêmes et que les craintes liées à l'emprise de l'Église sur elles s'avèrent être dans une large mesure tout à fait illusoires. Au final, s'il y a une différence entre les votes masculins et féminins, cette différence tient davantage au vote des femmes seules et des veuves âgées, leur vote étant plus conservateur, et ce vote conservateur tenant en fait plus à leur situation isolée, à leur âge, qu'à leur sexe. En revanche, Matteï Dogan et Jacques Narbonne montrent que le vote reste genré dans les années 40 et 50. Le vote de la femme est sensiblement le même que celui du mari, 9 épouses sur 10 selon leurs études. Cette conception maintient l'homme comme le principal médiateur entre la famille et la cité, lui laissant donc la prépondérance dans le domaine politique. Néanmoins, dans les années 60, cette situation va évoluer. Des sondages comme ceux commandés par le magazine Elle, en 1965, indiquent que si 63% des Françaises s'intéressent à la politique, seules 9% d'entre elles sont influencées par leur mari. Seules 12% des femmes avouent que l'opinion de leur époux déterminera le candidat pour lequel elles voteront. Et sur les 37% des femmes qui ne s'intéressent pas à la politique, 25% indiquent que c'est parce que c'est, entre guillemets, l'affaire des femmes. Mais 64% des femmes parlent de politique avec leur mari en 1965 et elles sont encore 63% en 1970. À cette époque-là, donc dans les années 60 et par la suite, la proximité entre les votes des époux peut donc plus se lire comme une convergence de leur position sociale plutôt que comme une subordination genrée de la femme au mari, la femme écoutant l'opinion de son mari pour la suivre. Au-delà de la pratique du droit de vote, les représentations politiques restent très genrées après 1945. On a vu quelles qualités et vertus étaient attribuées aux filles dans l'éducation au XIXe siècle et au début du XXe siècle tout à l'heure.
D'accord. L'obtention du droit de vote n'a guère fait évoluer la vision qu'on souhaite avoir des femmes. Reprenant les discours des suffragistes du premier XXe siècle, il semble que les candidates et les élus doivent trouver une posture en accord avec leur féminité. Dans les années 60, on va donc voir, notamment dans le magazine Elle que j'avais analysé, qu'on va accorder aux femmes une plus grande sensibilité, un plus grand pragmatisme, issu de leur expérience de mère, d'épouse, de gestionnaire du foyer. C'est donc ce qu'indiquent plusieurs grandes figures politiques qui sont interviewées dans les pages de Elle et vont insister sur la sensibilité féminine, sa douceur, etc. On pourrait croire que les récentes avancées de la parité ou que l'évolution des mœurs auraient fait évoluer les choses, hein, ces représentations de la femme en politique. Or, des études récentes montrent qu'il n'en est rien. On utilise toujours les mêmes vertus féminines pour dépeindre les candidates. C'est ce que montre un article de Cécile Sourd portant sur les candidates aux élections de 2002. Les médias insistent sur la féminité des candidates, leurs caractéristiques physiques, les vêtements, la situation familiale, mais aussi les qualités féminines, toujours les mêmes, qui sont mises en avant, tandis qu'elles ne le sont pas chez les hommes. À travers des exemples, l'auteur de l'article montre que les candidates tendent à se conformer à ce modèle, comme Arlette Laguiller, qui avoue ne jamais porter de jupe chez elle, mais qui s'oblige à porter des tailleurs en public lors de la campagne électorale. Quant aux femmes qui adoptent des comportements moins genrés, elles sont dépeintes avec des caractéristiques masculines, ce qui est encore vécu comme une transgression. La féminité reste donc la norme, même au début du XXIe siècle. Pour conclure, je vais essayer d'être brève, dans les années 90, apparaît le projet de la parité. Ce projet est voté le 6 juin 2000, et donc la parité devient une obligation légale pour tous les partis politiques. D'autres textes vont suivre, jusqu'au dernier, très récemment, le binôme paritaire, qui réforme l'organisation des élections départementales. Donc désormais, il y aura un ticket de candidat homme-femme dans les cantons. Ces réformes ont eu des effets très nets pour plusieurs assemblées, comme pour les conseils régionaux, ou encore comme les conseils municipaux. Pourtant, de multiples questions se posent qui font que la loi sur la parité reste très controversée. Ces lois, en effet, rendent visibles les différences entre les hommes et les femmes dans le domaine politique. Si ça a des avantages, notamment la volonté de faire progresser l'égalité, cela peut aussi tendre à inciter sur les différences de représentation et de pratique entre les deux sexes. Comme on l'a vu, les médias s'appuient encore beaucoup sur le genre pour présenter les candidats. Les premières élections, notamment municipales, qui ont eu lieu après le passage de la loi, ont vu se réactiver les mêmes idées reçues sur le rôle politique des femmes. Les femmes dans les conseils municipaux devaient permettre de recréer le lien entre la classe politique et un corps électoral désenchanté, car elles amenaient un nouveau souffle, le sens de l'humain, un côté pratique, etc. Mais enfin, toutes les critiques liées à la discrimination positive peuvent aussi s'appliquer à la parité. La suspicion sur la valeur des candidates, leur dévalorisation parce qu'elles sont là à cause de la loi, etc. Néanmoins, et il me reste une phrase, si la recherche d'une solution idéale pour favoriser une égale représentation entre les hommes et les femmes en politique va animer encore de nombreux débats, il n'en reste pas moins que le constat de l'inégalité devait inciter à l'action. Pour ne prendre qu'un seul et dernier exemple, il n'y a aujourd'hui 12,3% de femmes dans les conseils généraux, moins de 5% des présidents de ces mêmes conseils sont des femmes. Ce sont des données qui devraient évidemment changer avec le nouveau système lors des prochaines élections en 2015. Je vous remercie. Merci pour ce débat passionnant et pour cette présentation à distance. Alors, comme on l'a dit ce matin, Anne-Sara, on va poser des questions directement, hein, d'accord ? Donc, Mohamed Fazani va recueillir les questions. Est-ce que tu entends ce qui se dit ? Oui. La salle, je ne suis pas sûre. Faut voir. Ouais, ok. Donc, des questions ? Bon, on va commencer par poser des questions parce que pour libérer notre intervenante et par la suite, il y aura une succession d'interventions. On ouvrira un débat définitif. Est-ce qu'il y a des questions à poser par rapport à cette intervention ? Des remarques, des réflexions ? Oui. Bonjour, je ne sais pas si c'est dans votre sujet. Je voulais savoir ce que vous pensiez des futures réformes territoriales pour ce qui concerne le vote des femmes. Est-ce qu'à la fois, il n'y a pas une obligation de parité et en même temps un recul réel du pouvoir des femmes dans ces concentrations ?
Alors, j'ai mal saisi la toute dernière fin de la phrase, puisque c'est un petit peu... Est-ce qu'à la fois il n'y a pas une avancée de la parité légale et en même temps un recul du pouvoir réel des femmes dans le politique, dans ces phénomènes de concentration ? C'est bien un des problèmes, parce que là, notamment avec cette dernière réforme dont je viens de parler dans ma conclusion, là, sur le binôme paritaire, on va... donc imposer un quota de femmes, mais parfois, même ça risque de se poser dans de nombreux cantons, des hommes qui sont en place depuis très longtemps vont trouver une femme de leur entourage ou de leur parti, plus pour l'image, pour la représentation, plutôt que pour leur vraie qualité. Donc, ça pose évidemment ce type de problème. Ce type de réforme a aussi pour but de pousser les femmes à s'engager dans une action politique. Et donc, j'aime pas trop ce terme parce qu'on dirait que les femmes ne sont pas capables de le faire, mais de pousser les femmes en fait à faire leur apprentissage de la politique. Bon. Disons plutôt prendre le taureau par les cornes et puis s'engager elle aussi en prenant confiance en elle plutôt que de faire d'en faire une question d'apprentissage. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a une autre question ? Sinon, je vais en poser une. Est-ce que le vote des femmes a changé la politique ? Est-ce qu'il a une influence sur les idées politiques ? Est-ce que ça a un caractère partisan assez prononcé ? Le vote des femmes. Je suis désolée, j'ai pas compris la question. Le son est pas bon du tout. Alors, je répète ma question. Est-ce que le vote des femmes a changé les idées politiques, a une influence sur la politique, ou est-ce qu'il a un caractère partisan en France ? Alors, pendant de nombreuses années, les votes des femmes étaient un peu plus conservateurs, comme je le disais tout à l'heure. Mais c'était très marginal. Pour les élections, je crois, de 81, les femmes ont fait que François Mitterrand a été élu, notamment parce qu'en fait, les femmes votent moins aux extrêmes. Là, j'ai une citation de Mariette Sinaud, qui est une grande politologue, qui explique que depuis 1995, le genre appréhendé globalement n'est certes plus un déterminant majeur de l'orientation gauche-droite des comportements électoraux. En revanche, il reste prédictif de la probabilité de voter ou de ne pas voter en faveur du candidat de l'extrême droite. Donc, en fait, les femmes vont voter pas forcément plus au centre, mais en tout cas moins à l'extrême droite, et c'est l'un des seuls aspects partisans de leur vote qui a été vérifié. Est-ce que le leader de l'extrême droite est une femme va avoir une influence sur le vote des femmes dans l'avenir ? C'est une excellente question. J'avoue que je n'espère pas, mais je ne sais pas. Maintenant, on trouve quand même de plus en plus de femmes, encore trop peu, mais qui vont avoir des fonctions importantes dans les partis politiques. Et puis, sur l'extrême droite, c'est quand même, je pense, un électorat particulier et le fait que ce soit une femme ou un homme ne changera pas grand-chose. Éventuellement, le fait que ce soit une femme va peut-être faire moins peur à certains électeurs, mais là, pas forcément des électeurs femmes. Ça, je pense que ça peut jouer sur l'ensemble de leur électorat. Oui, moi, je voulais poser une question sur la loi sur la parité permet l'accessibilité des femmes aux fonctions de représentation, mais il y a aussi d'autres lois qui peuvent permettre l'accessibilité des femmes, comme la loi sur le non-cumul dans le temps et dans les mandats. Or, il y a aussi beaucoup de réticences à ce niveau-là. Et elle est d'autant plus intéressante, cette loi sur le non-cumul, qu'elle permet aussi un changement des représentants en genre, mais aussi en âge,
et également, on peut l'espérer, en classe sociale et aussi en origine ethnique. Et c'est en ce sens que, je redis un peu, je me répète, mais c'est que on peut faire des politiques pour l'émancipation des femmes, mais ce sont des politiques qui doivent faire un principe universel. Et et c'est peut-être le sens de la question de mon collègue précédent, il s'agit de renouveler le processus politique, de renouveler le processus démocratique. Les luttes des femmes rentrent dans cette perspective, mais elles rentrent pour leur part. Il faut aussi des jeunes, il faut aussi des catégories socio-professionnelles. Voilà, je pense que la parité, c'est une chose, mais il y a aussi d'autres éléments de renouvellement pour pouvoir renouveler les équipes. Oui. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ça a été dit. Après, malheureusement, je ne suis pas persuadée que c'est un effet aussi large, parce que il y a quand même des gens qui s'accrochent à leur siège et puis qui tourneront, qui prendront le siège d'à côté. Bon, il y a des viviers politiques qui sont encore très, disons, qui ont un type unique, hein. Encore l'homme blanc d'une classe sociale plus élevée. Donc, voilà, mais on peut espérer. Merci beaucoup. On va être obligé d'arrêter là. Donc, bonne continuation, Anne-Sara. Et puis, encore merci d'avoir accepté d'être avec nous. Oui, c'est une petite fille ou un petit garçon ? Une petite fille. La parité, mais je ne suis pas dans la parité, j'ai deux filles. J'ai deux filles, bon, d'accord. Ouais. Cas, merci à vous, et puis je suis désolée de ne pas pouvoir assister à l'ensemble, parce que ça m'aurait vraiment beaucoup intéressée. Il y aura d'autres reclusiennes, on vous invitera de nouveau. Allez, merci, au revoir. C'est ravi. Merci beaucoup, au revoir. Bon, on va poursuivre donc les interventions, et je vais donner la parole à Gaëlle Loiseau, qui va nous parler les gens de voyage et le vote. Donc, qui est ethnologue donc, de profession, c'est ça? Formation. De formation. Hein. De formation. Pardon. Ça marche, ça ? Oui. Allez-y. Donc, oui, non, je ne suis pas thésarde. Non, mais je crois qu'il... Ah, ça marche ? Oula. Mais ouais, il faut que je le prenne dans la main. Ok, ça va être compliqué. Ok, non, oui, je suis plus ethnographe qu'ethnologue, puisque je suis sur le terrain. Je suis médiatrice départementale auprès des gens du voyage dans le département de l'Hérault. Et de surcroît, je suis missionnaire.